Des banderoles ça et là, des larges sourires, accolades et poignées de main, l'arrondissement de Ngelmunduka est fier et dit merci au chef de l'État pour la nomination de son fils, Roger Athanase Meyon Abate, au prestigieux poste de directeur général des impôts. Ngelmunduka a toujours été un bastion imprenable avec une fois de plus la confiance que le chef de l'État vient de faire à un des fils de Ngelmunduka, en la personne de directeur général des impôts. Donc, à partir de ces deux éléments, il y a de bonnes raisons pour que je sois un président heureux de la section LDPC au Nord-Est. Pour manifester cette joie, à l'occasion de la célébration du 38e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, militants et militantes de la section RDPC Union Nord-Est 1, sortis en masse, réaffirment leur soutien non seulement au Parti des Flammes, mais également au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous disons oui, parce que le RDPC est le seul et unique parti politique qui prône véritablement les idéaux de paix et d'unité. Nous disons aussi oui, parce que le RDPC est le seul parti qui ne nous a jamais déçus dans nos attentes et nos aspirations légitimes. Cette ferveur, démontrée par les militants et militantes, est vécue en direct par Ghislain Poum, mandataire de la délégation permanente et départementale du comité central pour le Oignon. Nous avons trouvé des militantes et militants debout qui sont rassemblés derrière leur chef, son Excellence Paul Biya, et se réjouissent du résultat éloquent des élections sénatoriales. Une marche de soutien agrémentée de chants patriotiques vient mettre un terme à ce meeting politique organisé sous fond de remerciements au chef de l'État.